Bonjour à tous et bonjour à tous. Bonjour Charlotte, Bonjour ça Mélanie, très très bien, merci, je suis ravie d'être là. Alors justement, ouais, on était venu vous parler de Moodle la dernière fois, et puis on s'est dit qu'on allait en remettre une couche, mais cette fois-ci pour parler plus précisément d'une fonctionnalité qui est tout aussi vaste que tout le reste dans Moodle, c'est le H5P. Et on va voir que tous les exercices vont être bien enrichis par la banque H5P. Alors, on va commencer par définir un petit peu ce que c'est. Alors, entre nous, Laurent et moi, on est des utilisateurs de Moodle, mais H5P, tout le monde ne l'utilise pas forcément parce que c'est des fonctionnalités en plus, c'est des exercices que vous allez pouvoir rajouter dans vos cours Moodle qui ne sont pas des exercices natifs de Moodle. C'est-à-dire que on va rajouter des choses, du contenu qui est embarqué dans la plateforme. Alors, H5P, qu'est-ce que c'est? C'est un format dont le nom est HTML5 Package. Donc le P vient d'ici. Le H5, c'est pour HTML5 et P pour Package. Donc c'est un format logiciel qui est embarquable sur diverses plateformes. On le retrouve nous dans Moodle, mais aussi dans WordPress ou d'autres plateformes sur le web. C'est un format qui est sous licence libre. Donc on peut l'utiliser entre autres sur Moodle qui lui-même est sous licence libre. Et qui permet d'ajouter beaucoup d'interactivité ou du contenu esthétique. Et c'est surtout portable d'une plateforme à l'autre. Alors, sans attendre un petit peu plus, on va tout de suite commencer par aller sur Moodle. Donc, je vais désactiver la caméra, activer le partage d'écran. Voilà. Alors, comme ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, j'ai déjà préparé un cours. Donc, une fois que le cours est créé, il ressemble à ça, comme d'habitude. Je suis passé là en mode édition. Pour pouvoir ajouter des choses. Et commençons directement par montrer où est-ce qu'on trouve cette activité H5P. Alors, on va la rajouter ici, ajouter une activité, et dans la liste, on voit deux boutons H5P. Alors ça déjà, c'est une première question qui pourrait se poser à vous. Pourquoi deux boutons? Historiquement, l'année dernière, l'année scolaire dernière, nous n'avions qu'un seul bouton, c'était le noir. En septembre, il y a eu une mise à jour, une montée de version de Moodle, qui nous a fait passer sur une version un petit peu plus récente du plugin H5P. Et donc, on a eu ce bouton bleu. Alors, celui-là est donc plus récent. Il est tout indiqué pour travailler avec. Sauf que, il ne permet pas encore d'avoir la liste d'activités pour les créer directement. Donc, pour l'instant, on va utiliser, nous, le noir. Lorsque le plugin noir ne sera plus nécessaire, vous verrez qu'il va disparaître. Ça sera fait prochainement, mais pour l'instant, on va rester dessus. Je repasserai sur bleu éventuellement pour vous montrer quelque chose plus tard, on verra. Donc, on clique sur H5P. Et là, vous allez voir qu'on va avoir une liste assez impressionnante d'activités qu'on va pouvoir ajouter. Donc, en plus de tous les exercices natifs de Moodle, ici, on peut en plus avoir accès à 43 sortes d'exercices ou de présentations différentes. Vous voyez que c'est quand même énorme, c'est un monde dans un monde. Et ça étend les possibilités dans Moodle d'une façon assez impressionnante. Alors, je vais commencer par vous présenter une première activité. Mais avant ça, parlons un petit peu des avantages, mais aussi des inconvénients qu'apporte le H5P. Donc, un des avantages, c'est bien sûr qu'il est directement accessible dans Moodle. Comme vous voyez ici, je peux directement créer du contenu. Je n'ai pas besoin d'importer quelque chose de déjà existant. On peut y trouver des fonctionnalités av assez avancées, comme on verra plus tard, de la reconnaissance vocale. Il y a une certaine esthétique qui est beaucoup plus agréable que dans les autres exercices de Moodle, parce que ça a été développé après, c'est beaucoup plus récent. Et bien sûr, c'est conforme aux derniers standards, donc ça va passer un petit peu mieux sur certaines plateformes mobiles, par exemple. Et le nombre, rien que le nombre d'activités disponibles est impressionnant. Donc on ne va pas les voir toutes aujourd'hui, hein, on va vous en montrer quelques-unes. D'ailleurs, je ne les ai pas toutes testées. Au niveau des inconvénients ou des petites contraintes, c'est que certains modules, vous voyez ici, c'est écrit en anglais, mais certains modules ne sont compatibles qu'avec un certain navigateur comme Chrome, par exemple. Donc ça, c'est pas vrai pour tous les exercices ou tous les modules. Mais certains, oui, il va falloir faire attention à ça si vous voulez que vos élèves puissent utiliser vos exercices avec d'autres plateformes. Ensuite, le temps de mise en œuvre. Selon les modules, on va voir que certains sont très rapides à mettre en œuvre, par exemple les graphiques ici, et d'autres, vous allez pouvoir y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps si par exemple vous voulez faire une présentation.
Là, vous pouvez ajouter un nombre illimité quasiment de présentations, de pages. Et ça pourra vous prendre du temps si vous voulez la rendre très interactive. Et ensuite, alors il y a un autre inconvénient, mais qui est plutôt de notre côté, c'est qu'il est difficile de limiter les tentatives des élèves actuellement. C'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser pour faire des activités notées, c'est tout à fait possible, mais l'élève peut refaire le nombre de tentatives qu'il veut, et c'est la dernière note qui va être gardée. Je dis ça, mais je peux vous montrer une astuce un petit peu plus tard pour contrer cet effet, mais ce n'est pas forcément très, disons, ergonomique. Alors, assez parlé, on va commencer par faire directement un Speak the Words. Alors, c'est une petite activité assez simple que j'aimerais vous présenter pour commencer. Donc, je vais cliquer sur celle-là, je l'ai choisie. Donc, Speak the Words. Hop, alors, je suis désolé, mais une partie de l'interface est en anglais, une partie est en français. Ça dépend des mises à jour de ces modules. Vous voyez qu'ici, ça a été traduit. Par contre, le titre reste en anglais et certains éléments d'interface sont restés en anglais. Ça va dépendre des différentes mises à jour au fur et à mesure que les modules sont repris. Alors, on voit qu'on a une interface un petit peu particulière dans ce cadre ici, qui nous permet d'éditer le contenu H5P qu'on va préparer. Ah ben, on va commencer par lui donner un titre, par exemple. Admettons qu'on veuille faire un petit... Alors, Speak the Words, c'est pour parler. Vous allez voir ce que ça donne. Je ne vous le montre pas encore, mais ça va être de l'oral. Donc, exercice à l'oral. Describe the task. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'énoncé? Ah ben, par exemple, j'aimerais faire prononcer le mot école en allemand. Alors, voilà, avec la majuscule, c'est toujours plus sympa. Et la réponse, ah ben, c'est école en allemand. Hein. Voilà. Donc, Schule. On va voir ce que ça donne. Donc. Ensuite, ici, tout en dessous, vous pouvez changer le texte qui sera donné à l'élève lorsqu'il aura la bonne ou la mauvaise réponse. C'est facile à faire, là, il me suffit de changer ça. Par contre, si vous le faites à chaque exercice, ça peut vous prendre du temps. Donc, voyez si c'est vraiment nécessaire. Souvent, les élèves sont assez débrouillards et puis ça leur fait un petit peu d'anglais aussi. Pourquoi pas? J'aurais peut-être déjà une question, Gilles, si tu me permets. Ouais. Est-ce que ça fonctionne pour toutes les langues? Enfin, pour toutes les langues enseignées en France? Ben c'est justement la meilleure question parce que, regarde. Ah, d'accord, hop. Juste après. Alors, ici, justement, c'était par défaut en anglais US, donc dans l'anglais des États-Unis. Mais si là, en l'occurrence, je veux faire de l'allemand, il faut que j'aille chercher l'allemand dans la liste. Et donc, on va chercher le German, voilà. Et on a toutes ces langues-là. Donc, vous voyez que la liste, à mon avis, on n'est pas en reste. Hein. On devrait couvrir assez facilement les langues vivantes qui sont enseignées chez nous. Effectivement. Alors, je vais trouver donc l'allemand, voilà. Alors, options et texte, c'est pour tout le reste, c'est pour tout le reste de l'interface. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai que l'anglais. Tant pis, je vais le laisser comme ça. Et donc, on va pouvoir voir le texte de chaque petit bouton. Pour l'instant, moi, je vais le laisser en anglais, ça nous prendrait trop de temps de tout changer. Mais sachez que vous pouvez traduire entièrement l'interface si, par exemple, vous aviez des élèves plus jeunes. Hop. Alors, je reviens dessus. Pour l'instant, je ne change rien au niveau des autres réglages. Enregistrer et afficher. On va voir ce que ça donne. À quoi ça ressemble, cet exercice? Alors, en général, quand on termine l'édition d'une activité H5P, ça prend un petit peu de temps. Celle-ci est plutôt rapide. On verra plus tard avec d'autres exemples que ce n'est pas toujours aussi rapide. Alors, voici comment se présente l'activité. On a un cadre, ici, avec dedans l'énoncé. Donc, prononcer le mot école en allemand. J'aurais pu mettre des guillemets d'ailleurs. Alors, lorsque l'élève va cliquer sur ce bouton, on va lui demander de prononcer le mot avec son micro, donc il faut qu'il soit muni d'un micro et qu'il autorise le navigateur à l'utiliser. Je vais faire ça et on va tout de suite essayer. Schule. Donc, je ne sais pas si mon accent a été très bon, mais en tout cas, l'algorithme qui est derrière cet exercice a reconnu la réponse. Alors, je peux refaire un essai simplement en rafraîchissant la page. On va voir si en prenant autre chose, bah, ça reconnaît la mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Voilà, donc là, il a reconnu que ce n'était pas la solution. Alors, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris bon, des choses qui ne sont pas forcément ce que j'ai prononcé. Mais en tout cas,
Il a bien vu que ce n'était pas la bonne réponse qui a été prononcée. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai pas eu les points. Si j'avais voulu utiliser cette activité pour retenir quelques points et générer une note, j'aurais très bien pu le faire. Mais en gardant à l'esprit que l'élève peut réessayer jusqu'à ce qu'il y arrive. Et de toute façon, réessayer, même s'il y arrive, en rafraîchissant la page. Alors, je vais passer la main à Laurent, qui va vous montrer une autre activité. Donc, on en a fait une sur 43. La seconde, c'est dans un instant. Laurent ? Oui, je vais prendre le relais. Je vais prendre quelque chose de très simple aussi. C'est Drag the World. Alors, vous devez voir mon écran. Donc, vous voyez, j'avais déjà fait ici. Je prévois toujours. Oui, c'est bon ? Alors, pas encore. Voilà, ça y est. OK. Donc là, je l'avais déjà préparé parce qu'on ne sait jamais, des fois que ça ne marche pas trop bien. Ouais. Mais je vais le refaire devant vous. Donc, en fait, les activités Moodle comme les activités H5P, c'est un peu disciplinaire. On n'a pas tous les mêmes besoins. Gilles et moi, on est plutôt d'origine scientifique, donc on n'a pas exactement la même nécessité qu'en langue, par exemple. Mais là, je vais prendre simplement une définition et je vais rajouter donc une activité. Donc, je vais toujours prendre le H5P noir. Donc, par défaut, la liste des activités, mais Gilles a dû vous le dire, c'est en gros dans l'ordre où vous avez déjà utilisé ou vu. Donc, on n'a pas tous le même ordre. Donc là, vous voyez, c'est marqué Drag the World. C'est simplement une définition que je vais compléter. Alors, il y a souvent des consignes qui sont plus ou moins claires. Il faut parfois un petit peu tâtonner. Donc, le titre, je vais faire une petite dédicace à mon collègue Laurent Misy qui aime bien l'Inde. Donc, je vais donner une définition, une citation de Gandhi. Donc, je vais mettre. Gandhi. Voilà, ça c'est simplement le titre. Et après, vous voyez, vous avez les explications ici. Donc, on va mettre en fait les mots à chercher entre astérix. Donc là, je vais taper simplement ma définition, enfin ma citation. Donc, c'est « La vie est un mystère ». Et seulement après, je mettrai « Il faut vivre ». Je serai un peu philosophe. Et non, un problème. À résoudre. C'est sûr que ce n'est pas une citation que les élèves doivent connaître, mais bon, c'est simplement un prétexte. Donc ici, je veux qu'il me trouve mystère, je vais le mettre entre astérix. Voilà. Et non, un problème, alors je vais aussi mettre problème. Voilà, à résoudre. Et en admettant, vous voyez ici, donc là, normalement, c'est les deux mots qu'ils doivent trouver. Si on pourrait mettre des indices aussi, vous voyez, en mettant deux points, ou alors on peut mettre plusieurs réponses possibles. Bon, là, ça ne s'y prête pas trop, mais admettons que je veuille ici mettre, je vais mettre ici énigme, mais ça colle pas parce que c'est masculin, mais enfin bon. Et par contre, ce qui est peut-être important, c'est que l'élève ne connaît pas tellement la casse, c'est-à-dire qu'il y a des majuscules, minuscules, où elle va faire des erreurs avec les accents. Donc, ici, dans les options générales, vous voyez ici, vous avez la possibilité d'activer le bouton recommencer, ça je le laisse par défaut, voir la solution, on pourrait mettre la correction instantanée. Et après, je vais déjà regarder comment ça se comporte. Je pourrais rajouter un feedback, tiens, je vais le faire, je vais dire par exemple, comme il y a deux réponses, je vais mettre pas totalement juste. Alors du coup, ajouter un intervalle, forcément ici il me demande, je vais mettre 50% parce que j'avais mis la moitié, comme il y a deux réponses. Donc là du coup, 51 à 100%, j'aurai donc un autre feedback, je vais mettre, allez, c'est juste. Voilà, et je vais enregistrer et revenir au cours. Donc cette fois-ci, je vais cliquer dessus. Un petit peu lent. Voilà, donc on trouve mes deux réponses à formuler. Alors là, vous voyez, il me propose les deux réponses parce que j'ai oublié de cocher quelque chose, je n'ai pas fait attention. Donc là, je les glisse. Ah oui, j'ai fait un... Ouais, je sais pourquoi. Excusez-moi, j'ai fait un drag and drop, voilà, et je voulais présenter l'autre. C'était Drag the World, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer l'autre après. En parlant, j'ai fait une erreur. Bon, ça, c'est pas grave, ça existe aussi. Alors, ce que je fais là, ça existe dans le Moodle aussi. Moi, j'utilise beaucoup plus Moodle avec les questionnaires Moodle.
Disons que H5P est un peu plus interactif et la présentation un peu plus belle. Je vais vous montrer ce que ça donne d'un point de vue, cette fois-ci, Drag the World, ce que je voulais vous présenter au départ, parce qu'il est là. Alors, j'avais mis deux choses, parce qu'on peut les empiler, en mettre plusieurs. Donc là, vous voyez, je retrouve la même citation et j'avais mis quelque chose en anglais, par exemple, en dessous. Là. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, je cherchais une petite fonctionnalité qui n'apparaissait pas. Donc cette fois-ci, je veux taper donc mystère et je vais faire volontairement une erreur. Alors, je vais mettre comme ça, mystère. Et ici, problème, bah, pareil, je ne vais pas mettre l'accent. Alors, je vais mettre aussi celui-ci parce que je l'avais mis en anglais. Donc, he speaks English, but he doesn't. German. Voilà. Et normalement, ici, vous voyez, il va me trouver les bonnes réponses. Il a su interpréter parce que j'ai mis qu'il pouvait admettre des petites erreurs. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Au niveau du questionnaire, alors on peut toujours revenir, comme dans tout questionnaire et toute activité Moodle, vous allez ici dans modifier paramètres et on va retrouver l'intitulé de ma question. Et si je n'avais pas fait l'erreur, que je n'ai pas cliqué sur le bon tout à l'heure, c'est bien Drag the Word ici. Donc vous avez, on retrouve ici ma question avec les astérix. Cette fois-ci, j'avais mis l'anti-slash pour les deux possibilités, donc j'aurais pu utiliser aussi énigme. Et à un moment donné, donc j'avais bien fait la même chose. Mais par contre, ici, vous voyez, vous avez sensible à la casse, donc on peut le laisser cocher, mais j'ai surtout coché ça, accepter de petites fautes d'orthographe, et en cochant ça, ben, il m'a accepté mon mystère avec mon i. Donc ça peut être intéressant si on ne veut pas évaluer que l'orthographe, et simplement qu'on répond, je ne sais pas, à une définition en mathématiques ou autre. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser dans plein de disciplines. Alors je crois que maintenant, s'il n'y a pas trop de questions, Gilles va enchaîner sur autre chose. Ouais, ok. Alors, il y en a un qui est très impressionnant, je l'ai gardé pour pas en premier, mais c'est la vidéo interactive. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est un de ceux qu'on montre le plus parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte du contenu en fait à la vidéo. C'est pas juste montrer une vidéo sur un cours Moodle, comme on pourra le faire en intégrant ici, clac, une petite vidéo. Mais on va carrément intégrer une vidéo dans laquelle on pourra mettre du texte à certains moments, et des questions même pendant la vidéo. On va voir comment ça se passe. Alors, ajouter une activité ou une ressource, H5P, et on va la retrouver dans la liste. Donc là, on est sur la troisième activité qu'on vous montre, sur 43. On a le temps. Hein. Alors, interactive vidéo. Alors, il y a un petit temps de chargement. On verra que le temps sera encore plus long à la fin quand je la finaliserai. Mais ce n'est pas grave. On comblera avec quelque chose. Alors justement, oui. Non, bah vas-y, je poserai ma question quand la vidéo chargera. Ah ben, il y avait le temps, hein, vas-y. Non, vas-y, t'inquiète pas. Donc j'ai mis de côté une petite vidéo ici, j'aurais pu la mettre directement sur mon ordinateur et puis la télécharger, mais je vais utiliser un lien YouTube, si j'arrive à le prononcer, et hop, c'est pas cette fenêtre que je veux, celle-là. Et je vais cliquer ici dans les pointillés et renseigner ce lien. Hop, insérer. Donc là, ok, j'ai dit quelle vidéo je voulais. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut en faire. Quand je vais sur ajouter des activités, hop, on voit ici une barre d'outils. Donc la vidéo s'affiche, ça c'est super, avec une barre de lecture en bas. Et en haut, on a tous les boutons auxquels on aura accès pour éditer ce contenu. Donc on peut y ajouter des étiquettes, du texte, des tableaux, des liens, images, des affirmations, enfin c'est une sorte de question, là, tout ça, ça va être des questions, des true-false, des questions à choix multiples ou simples, et des exercices que vous avez vus comme celui à l'instant du drag and drop. Mark the words, drag the text, donc le texte a glissé aussi, et ensuite des crossroads, celui-là on ne vous l'a pas montré aujourd'hui, il ne sera pas vu. Et on peut aussi mettre des liens dans la vidéo où lorsque l'élève va cliquer sur un bouton, il sera emmené à un certain endroit de la vidéo. Si vous voulez faire un menu interactif, vous pouvez. Donc moi, ce que je vais rajouter en premier, bah déjà, je vais lire une partie de la vidéo. Voilà. Alors, on peut déjà prévisualiser cette vidéo et se placer à un endroit lors de cette vidéo. Par exemple, allez, au bout de 10 secondes. Et on va mettre les consignes. Je vais mettre du texte. Et en cliquant sur texte, donc on voit qu'on peut ajouter ce texte sous forme de bouton,
ou sous forme de cadre avec une image. Alors, je n'ai pas préparé d'image à ajouter, je vais mettre simplement un bouton. L'étiquette sera les consignes. Et puis le texte sera visualiser la vidéo et répondez aux questions. Alors, je peux le mettre en forme si j'en ai envie. Hop, mettons-le en gras. Et un petit peu plus grand. Voilà. Et bien sûr, j'aimerais bien que la vidéo se mette en pause lorsque ce bouton apparaît. Je vais le faire apparaître entre la 10e seconde et puis, bon, 10 secondes, c'est peut-être un petit peu long. On va le faire apparaître pendant 3 secondes. Ça va suffire. Ah, bien sûr, 13. Okay. Et là, au clic, alors là, je ne vais rien mettre. Je vais pas le changer. Tout simplement, je vais valider. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ça me donne un bouton consigne. Pour qu'il ne soit pas au milieu de l'écran, parce qu'on aimerait quand même voir un petit peu ce qui se passe, je vais le mettre de côté. On pourra le mettre ici, par exemple. Hop. Voilà, sous le texte. Et je vais aller un peu plus loin. À certains moments de la vidéo, par exemple, je vais mettre ici, à la 1 minute et quelques, je vais mettre une question. La question, ce sera une question à choix simple avec le nom de la question. Je n'étais pas obligé d'utiliser ce champ, mais si je ne l'utilise pas, l'étiquette va apparaître sans texte. Donc, ce sera un petit peu moins intéressant. On va mettre en pause là aussi. Et comme titre, première question. Voilà. Et voici l'intitulé de la question. Par exemple, combien d'astronautes sont entrés dans la fusée ? Alors, réponse possible, on va mettre 1. Alors, la première doit être la juste, donc il y en avait 4. On va rajouter 1. Je peux me permettre 2 et 3. De poser une petite question ? Oui. Là, en fait, est-ce qu'on peut paramétrer pour faire en sorte que la réponse soit libre ? C'est-à-dire, poser une question et que la réponse puisse être libre ? Alors, je crois que dans ce type d'activité, on ne peut pas mettre de réponse libre. Je vais vérifier sur la barre d'outils après pour ne pas dire de bêtises. D'accord. Non, je ne crois pas parce que c'est une autocorrection. En fait, ça existe, par exemple, dans les questionnaires Moodle. C'est mais ça. À ce moment-là, il faut revenir derrière, évaluer. D'accord. Alors que là, c'est automatiquement évalué. À partir du moment où c'est autocorrectif, on peut pas mettre de réponse libre. Très bien. Oui. Alors, par défaut, il m'a mis deux questions qui existaient. Je vais en garder qu'une seule. Hop, pour enlever la deuxième. Et est-ce que j'ai tout ? Ouais. Ok. Est-ce que j'avais envie de changer ça ? Non. Ben voilà. Alors, option générale, c'est comme avant. Alors, il y a un petit peu plus quand même de paramètres. Hein. C'est est-ce qu'on veut que les questions s'enchaînent bien lorsqu'ils ont répondu ? Je vais le laisser cocher. Les temps de pause, je vais les laisser tels quels. Les effets sonores, je vais les laisser. Et en fait, lorsqu'il y aura des réponses et des clics, il va y avoir un petit bruit. Qu'est-ce qu'on voulait changer ? Pourcentage. Alors, tout ça, je vais le laisser par défaut. Au niveau de l'adaptivité, on peut éventuellement faire là aussi une sorte de navigation qui va être en fonction des réponses de l'élève. Alors, ça devient un petit peu plus complexe, mais si vous voulez organiser une sorte de jeu ou de parcours différencié, vous pouvez le faire. Et ici, je pourrais choisir un temps auquel l'élève va aller selon les réponses. Je ne vais pas le faire ici, ça va nous compliquer un peu la vie. On va simplement garder le fonctionnement normal, entre guillemets. Alors, je valide. Hop. Ici, la question va apparaître comme ça. Je vais aussi la mettre un petit peu en retrait, là, sur la gauche. Voilà. Et je vais en faire une dernière. Par exemple, à la fin, hop, voilà, 5 minutes 50, on va demander, alors justement sur la question qui a été posée, on peut mettre des, alors statements, c'est pas des réponses libres, c'est aussi une question à choix, ça c'est des questions à choix, là aussi, alors ça c'est des fill in the blanks, mais c'est pas directement une entrée libre,
Bon, c'est l'équivalent de l'activité qu'on a vue avant présentée par Laurent. Ça pourrait éventuellement faire l'affaire d'un contournement, mais ce n'est pas exactement ce que vous recherchez, à mon avis. Ici, c'est du drag and drop, donc forcément, les réponses sont prédéfinies. Alors, directement, non, il n'y a pas de question libre. Ou alors, il faudra utiliser le fill in the blanks. D'accord. Et puis, en faire un petit détournement. Alors, moi, je vais mettre un true-false. Donc, par exemple, ça serait question 1, question 2 plutôt. Hop. Ici. Titre et la question les astronautes ont-ils apprécié le voyage? Donc, à mon avis, oui, mais bon, ensuite, alors on a plus ou moins les mêmes options, on va valider tout simplement et on va la placer encore une fois en haut à gauche. Je valide, alors là, ça pourrait prendre un petit peu de temps. J'ai oublié le titre. Alors ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ce que j'ai entré soit pris en compte et que la vidéo soit transférée. J'ai l'impression qu'il y a un transfert de la vidéo de YouTube à la plateforme Moodle, donc forcément ça génère du trafic et un petit peu de temps. En attendant, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est, parce que ça continue d'être affiché, on peut parler des fonctions de notation. Excuse-moi de t'interrompre. Qu'est-ce qui fait que ça prend du temps en chargement? Justement, ici, on a une vidéo et elle est récupérée sur le serveur, D'accord. À mon avis. Alors, c'est à mon avis parce que je ne suis pas derrière. Je n'ai pas le code sous les yeux, par exemple. J'en sais rien exactement, mais c'est ce que je pense. C'est que la vidéo est transférée et ça prend du temps. Elle est transférée à ce moment-là, donc. Voilà. Alors ici, c'est une vidéo qui durait 6 minutes. Ah oui. Donc vous avez vu le temps que ça a pris pour 6 minutes à peu près. Bon, si jamais ça prend beaucoup plus de temps, ça sera peut-être parce que vous avez sélectionné une vidéo très très longue. Oui. On a une collègue qui réagit dans le chat et qui nous dit que cette fonctionnalité est en fait l'équivalent de Head Puzzle, mais avec en plus le respect des RGPD pour un usage pédagogique serein. Ah ben, c'est totalement intégré dans notre ENT, et puis oui, alors forcément oui, le respect des RGPD a été pris en compte, bien sûr. Vous n'importez rien de l'extérieur en utilisant le H5P, tout à fait. Alors voyons à quoi ça ressemble, je vais peut-être cacher le menu comme ça. On a un écran un petit peu plus grand, oui, ça suffira, on va mettre ça ici, hop, on a un peu de place. Alors, l'élève va voir donc ceci, il va pouvoir jouer la vidéo, et si vous vous souvenez, à la 10e seconde, j'avais mis les consignes, donc on va voir comment elles apparaissent. C'était du texte. Hop, consignes. Alors les consignes vont apparaître comme ça, donc ça m'a mis automatiquement la vidéo en pause, et si je clique dessus, eh bien je vois mon texte. Il est un petit peu grand, mais au moins il est visible. En fermant, je peux reprendre la vidéo en cliquant dessus ou en cliquant sur le bouton, et elle va se dérouler comme n'importe quel lecteur de vidéo. Je vais aller un petit peu plus loin, et on va voir à quoi ressemble la question d'après. Là aussi, j'avais cliqué sur l'option « Mettre en pause lorsqu'il y a la question qui apparaît ». Donc on voit l'étiquette avec question 1, et en cliquant dessus, eh bien, on voit la question « Combien d'astronautes sont entrés dans la fusée ?» Alors, l'ordre n'était pas très... c'est pas forcément un ordre qui est très... J'aurais voulu mettre 1, 2, 3, 4, 5 pour les classer, mais 1, 2, 3, 4 pour les classer, bon, tant pis. Mais en tout cas, donc, il y en avait 4, je vais répondre 4. Alors, moi, je n'entends plus Laurent, ou c'est peut-être que moi. Pardon, je n'entends plus Gilles. Non, moi aussi, c'est pareil, je croyais que c'était que moi, mais apparemment, ça a coupé. C'est la vidéo qui a dû couper le sifflet. Oui, la vidéo a dû lui couper le sifflet. Oui. Si ça ne revient pas, on va enchaîner, sinon. Oui, oui. On refera une démo à la fin. Voilà, il pourra continuer après, quand il reviendra. Il me semble même... Non, il n'a pas été déconnecté. Mais tu peux très bien prendre le lead et puis... Ok. Allez hop, si j'arrive.
C'est bon. Je transférerai votre question, Madame Richard, à notre collègue dès qu'il reviendra. Alors, une petite précision. En fait, il y a plein d'activités qui sont intéressantes dans H5P. Et il y en a une qu'on ne va pas présenter qui s'appelle Slide, de mémoire, qui vous permet de, en fait, de combiner tout ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose de multiple, d'avoir, vous voyez, à chaque fois une question ou une succession, de, si vous voulez évaluer les élèves sur plein d'activités, il y a possibilité de créer une activité H5P qui regroupe un peu tout ça. Voilà, on ne va pas la présenter là, mais elle existe. Donc moi, je vais vous présenter le drag and drop, qui est aussi quelque chose qui peut être intéressant dans pas mal de disciplines. Ça existe dans Moodle. C'est un peu moins intuitif. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Normalement, c'est le deuxième, là, drag and drop. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir, par exemple, une image d'arrière-plan. Donc je vais prendre une image d'arrière-plan ici. Alors par contre, Laurent, est-ce que tu partages ton écran ? Eh bien oui. Parce alors, que attends. Là, pour le moment, moi, je ne le vois pas. Pas encore. Je sais. Voilà, oui. Ah, je vais refaire. Que je tu peux refaire ton partage d'écran, s'il te plaît ? Oui. Ok, je vais peut-être trop vite. Ça a marché là ou pas ? Attends, et là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, bon, attends, je vais faire un retour arrière parce que du coup, on n'aura pas vu la première étape. Donc, je repars sur ajouter une activité. Donc, toujours pareil, l'H5P noir. Et cette fois-ci, je prends drag and drop, voilà, ici, pas drag the word. Voilà, donc là, ici, je vais mettre, glisser la réponse. Là, c'est le titre de mon activité. Je fais ajouter une image d'arrière-plan. En fait, il va y avoir plusieurs étapes. La première chose, ben, c'est d'ajouter une image d'arrière-plan. Je vais prendre, par exemple, ici, je suis en SVT, je veux repérer des éléments sur un squelette. Donc là, l'image se charge. Par défaut, c'est 620 par 310. On peut se changer, mais bon, là, je ne vais pas le changer. Alors, c'était une image PNG, donc on voit ici, le fond est transparent. Je vais laisser comme ça. Et après, vous voyez, vous avez la deuxième ici, la deuxième étape. Donc ça, c'est le step 1. Step 2, c'est l'élément de l'activité. Donc, je vais rajouter des zones où je vais déposer. Donc, si je glisse ici, voilà, j'ai accès. Donc là, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par définir des zones de dépôt. Après, je vais soit y mettre du texte, soit y mettre des images. Donc, je commence par définir mes zones de dépôt. Alors, attention à la casse, là, cette fois-ci, si je mets, par exemple, ici, une majuscule pour hanche, ben, il faudra mettre après une majuscule. Donc, je fais ici, cette zone de dépôt ne peut contenir qu'un élément, je vais cliquer OK. Et vous voyez, il m'a défini une case que je vais venir mettre à la zone voulue. Voilà, je la mets par là, par exemple. Je vais rajouter encore autre chose, je vais mettre par exemple omoplate. Voilà. Est-ce que ça fonctionne comme Learning Apps, Laurent ? Alors, est-ce que ça fonctionne comme Learning Apps ? J'ai déjà utilisé Learning Apps, mais comme je suis en lycée, il y a très peu d'activités pour moi. J'ai envie de dire oui. Alors, est-ce que la question, enfin, en gros, la personne qui pose ça, je vais présenter et elle me dira si ça fonctionne comme Learning Apps. Voilà. Learning Apps, est-ce que la question, c'était est-ce qu'on peut récupérer des choses de Learning Apps ? Learning Apps, là, on ne le présente pas, mais on peut récupérer ce qu'on appelle les pactages SCORM, donc, c'est-à-dire récupérer toutes les activités Learning Apps et les intégrer dans Moodle. Donc après, est-ce que la démarche est la même ? J'imagine que oui, soit à peu près pareil. La question concerne, je pense, la démarche. Alors ça, je ne suis plus très sûr. Ça, je vais le faire, puis après, vous me direz. Oui. Donc, je vais définir une autre. Je vais mettre, allez, je vais rajouter une. Ce sera le genou. Alors, c'était pour les deux. C'était pour les deux, d'accord. Oui. Donc, effectivement, Learning Apps, on peut les récupérer dans Moodle. Voilà, donc j'ai défini trois zones, et maintenant, je vais définir du texte. Donc, je vais définir, par exemple, donc j'avais mis « omoplate ». Et vous voyez ici, il ne faut pas se tromper, je fais sélectionner tout. C'est-à-dire que je donne la possibilité qu'ils choisissent parmi les trois. Je pourrais, par exemple, si je me dis, ben, je veux qu'ils choisissent entre deux, entre juste la hanche et l'omoplate, ben, je coche que les deux là. Bon, là, je vais tout laisser. Donc, je fais OK. Donc, après, il vous définit une vignette que vous pouvez placer de manière, on va dire, ergonomique autour du personnage, là, de mon squelette. Je vais rajouter un texte. Alors, je vais rajouter déjà une image. Je vais rajouter l'image du, par exemple, d'un genou. Voilà, donc je mets le texte alternatif, c'est genou.
Et pareil, je fais sélectionner tout. Je vais le mettre par exemple à droite ici. Et qu'est-ce que j'ai oublié? La hanche. Donc je vais rajouter un texte. Je vais mettre hanche. Voilà, sélectionner tout. Alors, j'ai pas. Oui, j'aurais pu jouer sur l'opacité. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Si vous voulez que ce soit un peu plus visuel, on peut jouer. Effectivement, tiens, je vais le faire ici. Je vais mettre 50%. Et bon, ce n'est pas forcément mieux, d'ailleurs, au passage. Enfin, c'était juste pour vous montrer. Voilà, donc normalement, si je n'ai pas dit de bêtises, genre pareil, là, je ne vais pas jouer sur le feedback. Je vais le laisser comme ça. Sur les options générales, on peut cliquer, mais il n'y a pas grand-chose. Moi, par défaut, je les laisse. Donc, je laisse tout comme ça. Si j'ai fait une petite boulette comme tout à l'heure, ben, je reviendrai dessus, hein, c'est pas grave. Alors, on conseille toujours de tester des activités. Alors, vous savez ou vous ne savez pas que vous pouvez vous définir, vous êtes par défaut créateur du cours. Donc là, j'ai cliqué, ça va venir. Mais vous pouvez aussi vous rajouter en tant que profil élève. Comme ça, ça vous permet d'avoir les deux visions. Alors là, c'est assez gros. Donc là, vous voyez, quand je vais déplacer, je vois bien mes trois zones possibles. Si j'avais mis que deux possibilités, je n'aurais que deux ici, deux zones en pointillé. Alors que là, ben, j'ai les trois possibilités. Je vais volontairement faire une erreur. Voilà, et je fais vérifier. Alors, tiens, alors ça, je l'ai eu tout à l'heure. Là, il y a ça et ça, forcément, c'est faux. Et là, par contre, il me met moins 1, d'où l'intérêt de vérifier. Je l'ai fait tout à l'heure, ça m'a fait exactement la même chose. Et je vais revenir, je sais pourquoi, parce que je l'ai rencontré. Donc là, je reviens simplement dans mes paramètres. Et je vais revenir sur mes éléments d'activité. Donc, c'est sur les vignettes que je dois avoir un problème. Alors, quand vous êtes au-dessus d'une zone, vous voyez ici, vous avez un menu. Donc, si je viens, par exemple, là, je vais au-dessus du menu. Alors là, j'ai bien tout. Donc, ça, c'est bon. Donc, c'est pas là. Alors, je l'avais tout à l'heure. Non, c'était pas ça. Je vais revenir. Attendez, il faut que je revienne dès le départ. C'est en fait dans les zones à cliquer qu'il y a un souci. Alors, pourquoi ça fait ça, je ne sais pas trop. Je vais quand même revérifier si ça marche ou pas. Et je suis sûr que non. Voilà. Donc, je vais revenir le faire. Donc, je reviens dans les paramètres. Donc, ça. Si je vais là, voilà. En fait, tout à l'heure, j'avais bien sélectionné tout et là, il me l'a enlevé. Mais je ne sais pas exactement d'où vient le problème et normalement, je dois avoir le même problème ici. Voilà. Oui, c'est bien. Alors, je suis de retour. Je reviendrai sur la vidéo après. Mais on voit que c'est bien important de faire les étiquettes, faire les cadres et ensuite de les reparamétrer pour être sûr. Ouais, mais il faudrait revenir lever, revérifier. Alors là, normalement, ça devrait marcher, parce que ça m'a fait tout à l'heure, je l'ai vérifié avant de... On va se lancer. Bienvenue voilà. Gilles, d'ailleurs, qui nous rejoint. Merci. Coupure Internet, alors là, ça m'arrive deux fois dans l'année, allez, on va dire. Les aléas du direct. Ouais. Bon, ben là, ça a marché, vous voyez, c'est des petits bugs, ça, malheureusement, c'est comme ça, il faut s'adapter, hein. Je l'ai bien fait comme il faut, mais il y a peut-être un ordre qu'il faut bien respecter, mais il me semble que j'avais pourtant bien suivi l'ordre, parce qu'ils disent bien de commencer à mettre la zone de dépôt, après de créer les étiquettes, et après j'ai sélectionné, donc bon, voilà, il faut vérifier. Oui, mais dans tous les cas, bah dans tous les cas, on ne peut pas paramétrer les deux entièrement du premier coup, c'est-à-dire que si vous créez toutes vos étiquettes et ensuite les cadres, bah les étiquettes ne connaîtront pas encore les cadres à leur création. Et si vous faites l'inverse, si vous créez d'abord les cadres et ensuite les étiquettes, bah lorsque les cadres seront en train d'être créés, bah ils ne connaîtront pas encore les étiquettes qui n'ont pas encore été ajoutées. Donc en fait, vous êtes obligé de créer un des deux, puis de revenir dessus après que vous avez fait l'autre. Mais bon, simplement, ouais. Il faut savoir qu'il faut les créer tous les deux et revenir dessus pour les paramétrer. Toujours est-il que je reviens sur la vidéo, tu as fini?
Bah oui, vas-y, si ça marche, on revient sur ta vidéo. Ça marche, alors on croise les doigts, hein. Alors, je profite du moment où tu partages ton écran pour poser la question d'une de nos collègues qui demande si on peut intégrer une vidéo épurée de toute publicité ou suggestion d'autres vidéos. Eh ouais, mais c'est là où je suis malin. Un lien SafeNet, par exemple. Ouais, j'ai pas essayé avec SafeNet, mais j'en ai profité quand Laurent était en train de présenter pour faire l'essai. C'est vrai que je l'avais pas encore fait. Et j'ai pris ici Video Link, qui m'a généré un lien pour la vidéo que j'avais avant, qui était un lien qui me permet de regarder la vidéo, hop, comme ça là, sans les pubs et sans les suggestions. Alors malheureusement, lorsqu'on l'ajoute ici, il n'est pas reconnu. Vous voyez ici, le format n'est pas supporté. Pour SafeNet, j'ai pas fait le test. Il faudra essayer vous-même, mais j'ai des doutes sur le fait que ça fonctionne. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Malheureusement. On a d'autres options qui sont de choisir le temps à laquelle va démarrer la vidéo, de la démarrer automatiquement ou pas, la jouer en boucle. Éventuellement, ça c'est plus propre au H5P. Mais on peut empêcher de sauter en avant si on veut être sûr que l'élève regarde tout, désactiver le son, pourquoi pas, mais on ne peut pas empêcher les suggestions et les pubs. Alors, personnellement, je n'ai pas de pub là parce que j'ai quelque chose qui me permet de les enlever sur mon navigateur, mais c'est vrai que ça Mais peut être très vite petite gênant. question, tu avais Oui. mis un lien YouTube là. Lors de la première fois, alors je vais revenir dessus justement. Parce que là, je vois intégrer une vidéo si tu utilises un iframe, ça marche ou pas? Alors, si je reviens dessus ici, là, alors on peut soit téléverser, soit coller un lien avec une vidéo qui est hébergée sur une plateforme. Donc t'as pas d'iframe, peut-être. Non. Ah non, ici, on ne peut pas directement éditer le code. Alors, je reviens sur celle qui marche et on va voir le résultat. On avait presque fini. Hop, donc elle était là. Voilà. Et donc, si on la charge, on voulait faire la dernière question et voir ce que ça donne. Et lorsqu'on arrive au petit point ici, eh ben ça ne se met pas en pause parce que j'ai oublié de cliquer et la question 2 apparaît. Donc oui, ils ont bien aimé le voyage. L'élève répond, il fait continuer. Et lorsqu'il arrive tout à la fin de la vidéo, paf, hein, évidemment. Voilà, je vais y arriver. Je vais me mettre un petit peu avant. Voilà. Donc, lorsqu'on arrive à la fin de la vidéo, l'élève a un récapitulatif de ses réponses et il peut donc les soumettre au professeur. Donc, remettre vos réponses, ça permet d'enregistrer ses réponses et vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez ensuite les voir dans la partie notes du cours. Alors, comme dit, tous les exercices qu'on vous a montrés pour l'instant et qu'on vous aura montrés aujourd'hui sont bien pour faire des petits exercices d'entraînement. Si vous voulez faire des choses notées avec un coefficient derrière un petit peu important, il va y avoir le problème du nombre de tentatives. Parfois, on voudra faire en sorte que l'élève ne puisse essayer qu'une fois. Ah ben, je vais vous montrer rapidement en dernier, là maintenant, un moyen pour limiter le nombre de tentatives, même si l'élève clique sur rafraîchir. Alors, je ne vais pas prendre cette activité-là. Je vais revenir sur l'autre qui est un petit peu plus pratique pour ça. C'est l'exercice d'oral qu'on avait fait avant. Si je voulais maintenant limiter le nombre de tentatives avec cette version, vous vous souvenez le bouton noir de H5P? Avec cette version, je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur Réutiliser. Et ça va me permettre de le télécharger en fichier H5P. On va voir à quoi ça sert ça. Alors, je vais le mettre dans. Hop. On va mettre ici. On va l'enregistrer quelque part sur mon disque dur. Donc il est de côté, il est prêt. Et je vais revenir sur le cours. Puis je vais ajouter en dessous de celui-ci, hop, une activité H5P bleue. Et vous verrez la différence du coup. Dans celle-là, comme d'hab, on a un nom à donner. Donc, on va dire limité. Alors, description n'est pas indispensable. Par contre, ici, j'ai une zone de dépôt et c'est la seule option que j'ai. Je ne peux pas encore, pour l'instant, créer des exercices. Par contre, je peux aller chercher le fichier que j'avais ici et je peux le glisser dans ce cadre. Lorsque je fais ça, donc H5P, enfin le plugin H5P va reconnaître cet exercice, il va l'intégrer comme type d'activité et dans les options ici, je peux choisir.
d'autres choses. C'est une autre version du plugin H5P. Donc ici, ces boutons-là ne m'intéressent pas à la rigueur. Ce n'est pas cela que je voulais vous montrer. Au niveau de la note, bon, on peut faire des réglages sur la note. Ce n'était pas non plus le but. Par contre, on a option des tentatives. Et ça, ça va être intéressant. On peut activer le suivi qui, par défaut, est activé avec cette version. Et garder la note la plus élevée ou seulement la première. Si vous voulez limiter les tentatives et leurs effets, vous allez garder seulement la première tentative. Ça sera bien de le préciser aux élèves qui n'essayent pas un nombre important de fois, mais en faisant ça, seule la première tentative sera prise en compte, même si l'élève clique sur « rafraîchir ». Alors, ici, bon, j'ai un message qui est montré parce que je suis en mode de prévisualisation, je suis en tant qu'enseignant sur le cours, mais si je reviens sur les participants et que je me donne le profil d'élève pour prendre le mode élève, le rôle de l'élève, hop, je vais pouvoir faire une tentative en tant qu'élève et qui sera prise en compte. Si je n'avais pas fait ça, elle n'aurait pas été prise en compte. Donc on revient, hop, on va sur l'exercice et je vais prendre donc le rôle de l'élève. Donc, comme avant, j'ai le push to speak, je peux raconter ce que je veux, tant pis, ce sera faux. Voilà. Et ici, j'ai le bouton retry. Donc, j'aurais dû l'enlever lorsque j'ai créé l'activité au tout début, donc quand j'ai fait le noir. Mais si je l'avais enlevé, il n'aurait pas été présent. Donc, on va refaire cette fois-ci. On va le refaire juste. Choule. Cette fois-ci, je ne peux plus refaire d'essai. Donc, c'est ce qui se passera aussi si vous enlevez le bouton « Réessayer ». Et à ce moment-là, quand je fais « Recharger la page », alors je peux consulter mes tentatives, mais elles ne seront plus prises en compte. Vous voyez ici, celle qui est prise en compte, c'est la première. Enfin, quel que soit l'état du bouton « Réessayer » d'ailleurs. C'est juste qu'il est un petit peu, il va induire un petit peu l'élève en erreur parce qu'il pensera qu'il pourra réessayer. Donc il faudra lui faire apparaître clairement les consignes quelque part. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous voulez faire des activités un petit peu notées, un petit peu plus rigoureuses, ne garder qu'une seule tentative. Gilles, je me permets. Est-ce que ça fonctionne qu'avec des mots ou on peut faire des petites phrases aussi? Alors, ça va fonctionner avec des phrases à condition qu'il arrive à bien les reconnaître les unes après les autres. Moi, je l'ai testé qu'avec des mots pour l'instant, ou alors des chiffres, avec des phrases complètes. Alors, on a vu avant, quand j'ai prononcé, je ne sais plus ce que j'avais prononcé exactement, « mauvaise réponse », par exemple. Alors, ce n'était pas dans la bonne langue. Mais il faudra faire des essais. Bah, je propose qu'on en fasse un rapidement, très rapidement. Hop, j'en rajoute un. Et je voulais juste revenir sur une dernière chose avant de faire ça. Donc, je vais reprendre le rôle de l'enseignant. Alors, la différence, c'est que maintenant, avec cette technique-là, sur l'activité, je ne peux plus l'éditer. Si je vais dans les paramètres, vous voyez ici, ben, j'ai accès au fichier. Par contre, je ne peux plus modifier l'exercice. Donc, si vous faites ça, c'est un petit peu plus lourd et c'est à sens unique. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si je voulais modifier l'énoncé, je devrais revenir sur le noir, le modifier, le télécharger et le réimporter dans le bleu. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Ça peut être intéressant pour tous ceux qui récupèrent des activités sur le site H5P ou alors qui avaient déjà créé des activités dans l'exerciceur, vu que H5P, ce n'est pas dédié à Moodle. Le réutiliser ici. Alors, on va juste faire un petit test de phrase. Hein. Alors ici, par exemple, prononcer. Alors, on va mettre ça. Prononcer. Et en français, peut-être, non? Parce que... Oui, allez. Prononcer cette phrase. Et hop, on va mettre ça, on va faire dans l'originalité. Et c'est du français, donc on va chercher le français ici. Et on ne va rien modifier, on va directement l'afficher, ça sera fait assez rapidement. Voilà, et donc là je devrais tester, prononcer cette phrase. Alors je pense qu'il y a un problème au niveau de l'accord, on va voir. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Alors, ah tiens, vous voyez là, je vois la bonne réponse. Par contre, là, il ne l'a pas reconnue.
Donc, il y a, avec un seul mot, ça marche. Oui. Est-ce que la casse n'a pas d'importance? Est-ce que ça ne serait pas le P majuscule? Parce que je crois qu'il est très sensible à la casse. Ouais, le point, sensible. Justement, la ponctuation, peut-être. On peut essayer de les enlever. C'est vrai que j'ai mis une ponctuation. C'est vrai que le fait de ne pas avoir testé avec des phrases, ça rend la chose un petit peu expérimentale pour moi. On va voir. Prononcer cette phrase. Alors, qu'a-t-il compris? Vous voyez, c'est la même. Il l'a gardé avec le point, par contre. Oui, c'est bizarre, donc, il y a des petits allers-retours et des tests à faire pour une phrase. Honnêtement, il va falloir. Ouais, pourtant, je l'ai. Ah oui, j'ai pas changé. En fait, mis en dessous. C'était moi. Ouais, je suis ah oui, exact. Allez, on le refait une dernière fois parce que sinon, on tourne en boucle là. mais ça marche bien pour des chiffres, pour des mots tout seul. Et prononcer cette phrase. Ah voilà, ok. Ah, oui. Donc il fallait savoir, le fait que je n'ai jamais utilisé de phrase entière, il faut garder la phrase sans sa ponctuation. Donc si vous voulez mettre plusieurs phrases ou des pauses dedans, ça va être compliqué. Je pense que pour être sûr, il faudrait que tu essayes toutes les langues quand même. Ça prend un peu de temps en tout cas. Alors, outre cette idée, par contre là c'était le module Speak the Words, il y en a un autre qui vous permet de mettre plusieurs questions. Plusieurs speak the words, les uns à la suite des autres, sans créer. Sans créer un module nouveau à chaque fois. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre plusieurs mots ou plusieurs phrases, là, du coup, les uns à la suite des autres, dans la même activité H5P. Je vous le montre très rapidement. Hop, dans la liste, mais je ne vais pas en créer un, ce sera le même travail. Donc, ici, on a fait à l'instant speak the words, et beaucoup plus bas. Beaucoup, beaucoup plus bas parce que je ne l'ai pas utilisé du coup. On a Speak the Words 7. Et celui-là, il va faire exactement la même chose, sauf que vous en aurez plusieurs. Voilà. Alors sur les 43, là, on vous en a montré quoi? 5. On a encore pas mal de choses à explorer. Ce que je vous propose de faire, c'est que vous regardez vous-même la liste et dans les détails à chaque fois, vous avez un lien sur utiliser, bien sûr, si vous voulez la sélectionner, mais aussi lire plus et avec une petite présentation, malheureusement en anglais, et démonstration de l'activité. Vous avez un exemple pour chacune de ces activités. Ici, c'était le Personality Quiz. Alors, en cliquant dessus, on m'envoie sur un exemple de cette activité-là sur le site officiel qui est h5p.org. Et ça, c'est valable pour toutes les activités. Alors, nous, on en avait 43. Il faut savoir qu'ici, dans les exemples, sur le site, ils en ont un petit peu plus. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a quelques-unes qui n'ont pas encore été transposées chez nous dans Moodle. Mais si vous voulez avoir un bon aperçu, je vous conseille de les consulter, vous aurez un exemple pour tout. Malheureusement en anglais, mais bon, personne, rien n'est parfait, on va dire. Au niveau de la documentation, on en a encore qui est disponible, donc, bien sûr, sur le site de la DAN. Alors, je l'ai mis de côté ici. Vous avez, sur toute cette page ici, des exemples d'activités H5P qui ont été refaites en français. Hop, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc vous avez à chaque fois un exemple en ligne qui est retranscrit en français. Pas pour les 43, mais pour une partie des activités. Vous trouverez le lien dans le chat, d'ailleurs. Ah, merci. Je viens de les mettre, voilà. Super. Et bien sûr, aussi, les formations de l'an dernier, en tout cas les diaporamas, qui contenaient un contenu un petit peu ce qui a été montré aujourd'hui, peut-être plus détaillé. Bien entendu, vous avez aussi donc h5p.org et les moteurs de recherche donnent d'assez bons résultats. C'est quelque chose de largement utilisé, on va dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette création en live. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Il reste assez peu de temps. S'il y a des questions, c'est le moment. Je suggère qu'on remette la caméra pour finir. Ok. Merci à vous tous d'être venus sur StudioPeda. Merci Laurent, merci Gilles pour cette présentation et merci beaucoup pour les créations que vous avez faites en live. C'était vraiment super. On vous retrouve demain. Mélanie, demain, on parle de quoi? Exactement, donc créer des parcours d'entraînement en maths, en sciences et en technologie pour le diplôme national du brevet qui arrive très prochainement avec les BRNU. Donc on rejoindra avec Laureline, Laurent et Valérie. Merci, merci à nos modérateurs. Merci à vous.
Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.